La diva des grosses têtes est de retour. Ah, oui. Saluons-la comme elle le mérite. C'est bravo, la diva. Marianne Jam. Oui, c'est moi, je suis de retour pour vous casser les pieds et les oreilles. Accompagnée par Alain Bernard. Oh, oui, c'est moi. C'est moi. Merci. Merci infiniment. Enfant de cœur, Vincent Perrault. Oh, ouais. Chef des cœurs, Jean-Pierre Coff. Oh. Et au pupitre, le maestro Jean-Yann. Qui ne chante pas beaucoup, mais qui doit avoir un très bel organe lui aussi. Qui ça? Vous. Moi, j'ai laissé tomber l'opéra depuis longtemps. Mais c'est pas vrai. Il chante en coulisses, mais c'est pas vrai. Encore avec des émois dans la voix de ton organe et de sa qualité. Qu'est-ce que vous chantiez dans le lyrique? Non, j'ai jamais chanté bien. C'est toujours c'est été... Oh, dis donc, hé. Ave, 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 Maria. Non, mais ça, c'est des rigolades, des trucs de jeunesse, ça. On ne peut plus chanter. Oui, mais c'était bien. Quand on a affaire à des voix comme ces jeunes femmes, là, c'est des machins, c'est, on les fait en laboratoire, les comme ça. Là, non. Ah, c'est bon. Manipulation génétique, c'est ça que je cherchais. Moi, une manipulation génétique, je quitte l'émission. Voilà, non, je veux dire quand pour, même. Pour obtenir un résultat comme ça. Que tu as, t'as quand même une manipulation génétique. Non, mais pour obtenir un truc comme ça, ou c'est génétique ou c'est bionique. Ah bon? Mais ça peut pas être... Comme on avait fait pour le... Vous ne pouvez pas voir puisque je passe ma main entre le corsage. Oh, ah oui, mais ça palpitait. Ça palpitait. C'est marrant. Mais me comparez pas avec des trucs des manipulations génétiques. Ah non, parlez pas de manipulation tout pour court. La manipulation, oui, mais génétique. L'autre non, jour, vous évoquiez la position 10h10 du volant. Eh bien, c'est un peu ça. Les seins de Lulu Torpedo, là, c'est... c'est... Sur un volant, c'est à 10h10. Hein. Je suis pas sûr que ça permette de conduire. Hein, parce que... Non, mais pour l'airbag, c'est formidable. Ah oui. Hein. Madame Marianne James a du coffre. C'est ah, différent. Voilà. Oui. Ouais. Pas une poitrine vulgaire. Ah, non, et dans ce coffre, il y a un trésor. Bon. C'est vrai. C'est un cœur. C'est ça. Un petit oiseau dans son coffre. Laissez votre petit oiseau là où il est, hein. Petit oiseau, cher gros vautour. Pas insultant, hein, vous. Permets pas non, de c'est dire vrai mon oiseau du est coffre dans le style. On va pirate. Aller vérifier ça tout de suite en coulisses. Allez, c'est fini, on sèche ses larmes, c'est fini. Première citation de Monsieur Latré qui a dit « Il est impossible de faire de la bonne cuisine pour quelqu'un qu'on n'aime pas. » Un bon cuisinier lui-même comme Francis Blanche, par exemple. C'est un grand cuisinier aujourd'hui disparu. Dodin Bouffant. Raymond Oliver. Non. Et un cuisinier, je pense, de la génération qui a précédé celle de Raymond Oliver, à peine. Et il a eu d'ailleurs comme élève la plupart des... Guyot. Guyot. Non. Non. Attends, bouge pas. Point. Oui, Fernand Point. Bonne réponse de Jean-Yann, qui officiait à Vienne, dans l'Isère. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Sachez que l'air prospère des Minitel Rose et Révolu. Et c'est au téléphone maintenant. Oui, mais on fait très très attention parce qu'il y a eu une condamnation. Il y avait dans la messagerie Audiotel une annonce qui indiquait simplement « Je suis ton cheval et tu seras ma jument ». Eh bien, ils ont été condamnés à une amende pour incitation à la débauche. Il faut dire qu'ils ont eu d'arrêt bout de boule au téléphone quand ils ont téléphoné. C'était... Donc, il faut faire très, très attention maintenant. Ça, c'est une incitation à la débauche. Tu seras ma jument. Oui. Alors, si on dit « je suis ton abeille, tu seras mon miel », enfin, tout ça, on n'a pas le droit, quoi. C'est... Et si on dit « tu vas te filer un gros gournin dans le cas, c'est quoi, je veux dire ?» C'est une incitation à quoi, ça? On voit bien, oui, tout de suite. Ma belle-mère m'offre un chien quand j'ai quitté sa fille. Et elle vous a dit, je vous ai gardé un chien de ma chienne? J'avais surnommé mon chien Pinocchio. On me l'a défendu, j'ai été obligé de le... Alors, je lui ai donné un surnom, je l'ai appelé Pinocle.
Mais c'était très gênant quand je l'appelais dans la rue, les gens se retournaient, trouvaient ça pas bien, on me l'a fait remarquer à plusieurs reprises, et ça paraissait très choquant, et donc je lui ai donné ce surnom, Pinot. Maintenant, j'en ai un qui s'appelle Nabucodonosor. Il a un petit surnom. Moi, j'ai vu un jour Jean tourner dans un film de Denis Amar qui s'appelait Asphalte, une séquence qui m'avait assez impressionné, où tu te faisais attaquer par un chien qui avait l'air très méchant. Pour de vrai ? Non, pas pour de vrai. Au contraire, il était très gentil, ce chien. Mais simplement, il devait m'attraper à la gorge. Pour qu'il morde la gorge d'une façon plausible, m'avait mis dans la chemise des petits beurres. Alors, ça faisait vraiment un sale effet. Seulement, c'était devant une voiture qui devait exploser. Et pour qu'il reste et qu'il mange les petits beurres, je le tenais comme ça avec la laisse enroulée pour qu'il reste bien la tête collée. Et la voiture a explosé, il a eu peur, il est parti et il m'a tiré le bras. Ah, mais le métier de cascadeur de cinéma, vous savez, c'est pas facile. Hein. Le bras droit, le poignet droit Oui. Et alors? Ben alors, ça va maintenant. Et alors, depuis, il est ambidextre. Depuis, je suis avec les deux mains, même. J'ai tourné un film sur lequel il y avait 25 nationalités. C'est-à-dire, on avait un mec qui parlait tchèque, un mec qui parlait serbe, un mec qui parlait hongrois, roumain, machin. On avait trouvé 25 langues différentes. Alors, on avait écrit dans le studio, on avait un grand panneau où il y avait marqué « Parle à mon cul, ma tête est malade ». Et on avait demandé à tout le monde de mettre l'équivalent. Bon. Et puis, on avait donc 30 versions de Parle à mon cul, ma tête est malade. Et moi, je pars pour Hong Kong. J'arrive à Hong Kong et je vais au Peninsula. Et au Peninsula, je trouve une belle carte postale et je l'envoie à la production, puisqu'on était en fin de film. Tu préparais les Chinois à Paris, peut-être. Voilà. Et je demande au type du Peninsula, je dis, est-ce que vous pouvez me traduire Parle à mon cul, ma tête est malade en chinois? Et le type me le traduit. Donc, je l'écris sur des cartes postales et j'en envoie une à chacun des membres du film. J'arrive chez le concierge et je dis au concierge, est-ce que vous pouvez me poster ça? Et le mec, il lit. Comme ça, il n'a pas lu vite. Il me dit, non, monsieur, c'est pas possible. Je lui dis, si, mais monsieur, c'est pas possible. Vous pouvez pas envoyer ça. C'est un chinois vulgaire. Je lui dis, ben, forcément, c'est un chinois vulgaire. Et il a refusé de le poster et il a refusé de me les rendre. On a fait venir la sécurité, on va venir le truc. Je dis, merde, alors donnez-les-moi, moi je vais les foutre moi-même à la boîte à lettres, non. Et les règlements de Hong Kong empêchaient qu'on poste des cartes postales avec des vulgarités. Bon, peut-être que c'était plus vulgaire encore que par la mancu, ma tête est malade. Il m'avait en peut-être chinois, rajouté en chinois. On devrait mettre ça sous enveloppe. Parce que le chinois est très poli. D'ailleurs, on dit toujours polir le chinois. Qui a dit, ce n'est pas au pied du mur que l'on connaît le maçon, c'est tout en haut. Bouygues. ça pourrait. Vivant? Mort. Blanche? Non. Humoriste? Alors, c'est Coluche. Un humoriste dont vous n'avez jamais réussi à articuler le nom, alors que, bon, on s'efforce au moins une fois tous les mois ou tous les deux mois de... Patrick Topalov? Non. W.C. Field? Non, un Français mort aujourd'hui, créateur du CNPF, auteur d'Oscar Barenton, confiseur... Oui. Moi, j'ai assisté ici à 4 séances. Où à chaque fois, on perd, on ne le trouve pas, il nous dit le nom du mec et la fois d'après, on se rappelle. Oui, ça n'a rien à faire. Ça vous entre pas dans le. C'est un mec qui n'était vraiment pas fait pour être connu, celui-là. C'est fou, hein. Ça sent le mandat, cette question. Et alors, c'est formidable parce que vous pouvez noter. Il va vous le refiler dans 15 jours, ce sera pareil. Un stylo, on va le noter. Ça commence par un S. Est-ce que son nom commence par un S? Un P, un R, un V, un G, un L, un M. Non, mais c'est un nom d'origine étrangère. Sa deuxième lettre est pas du tout. Il est bien de chez nous. Pas très répandu, c'est vrai. Mais en plus, cet homme qui était un grand chef d'entreprise avait énormément d'humour et on lui doit des maximes sur le monde des affaires, sur le patronat. Mais bon, il y a rien à faire. Vous non, l'aimez c'est... pas. Ah, non. C'est pas non, ton mais machin c'est pas ça, là. Mais c'est parce que... Comment il s'appelle déjà? Avec un grand nez? C'est que... Non mais dites-moi... Mais à qui pensez-vous là? Non, il est mort? Doïkov. Il est mort et je veux dire qu'il est mort désespéré parce que personne ne se souvient jamais de lui. Non, c'est puis en plus, il est mort dans la vie, il est mort dans les mémoires et tout. Vraiment, c'est un mec, il est... Il se prénommait Auguste. Oui, Auguste, c'est ça. Ouais. Doïkov. Non. Mais même en connaissant son prénom, on s'en rappelle plus.
pauvre mec. Je vous dirai son nom et son prénom, que ça vous dirait rien. C'est terrible, ça. Et il a écrit les mémoires du docteur machin. Oscar Barenton. Qu'on n'a jamais vu non plus. Qu'on n'a jamais lu. Ah, qui est un joli petit bouquin. Ah bon. Vous l'avez lu? C'est son seul ouvrage? Non, il a fait également un commentaire. Sur la guerre des Gaules, non? Non. Sur papier la fumée, concernant les horaires de tramway de Nantes à Carcassonne, qui est fait autorité encore aujourd'hui. Je ris et je devrais pas, parce que c'est un des humoristes français qui devrait compter. Ben si oui, mais il faut faire quelque chose, les alors. Les grosses têtes sont là, cela dit, elles font ce qu'elles peuvent, mais... Le mandat. Voilà, alors, applaudissements pour Monsieur Tabar. Mandat pour Monsieur Tabar. Ben, il peut nous en renvoyer une autre, puisque dans 15 jours, on ne se rappellera pas non plus. Car celui qui a dit « ce n'est pas au pied du mur que l'on connaît le maçon, c'est tout en haut », c'est Auguste de Teuf. Voilà. Et vous le connaissiez, vous avez entendu son nom. Elle l'a dit. J'ai dit Do Teuf, moi. Tu l'as pas dit de Teuf? J'ai dit Do, j'ai pas dit deux, j'ai dit Do. Vous l'a dit de Teuf? Non, elle a dit Folkoff ou quelque chose comme ça. Non, elle a dit Do Teuf. Do Teuf, mais pas De Teuf. C'est-à-dire qu'elle arrivait mal à lire sur l'élève de certaines personnes du public. Et voilà, c'est ça le problème. Je vous en veux pas, faut bien qu'on de temps en temps on fasse un petit mandat. Hein. J'ai noté le mec deux, comme deux. Auguste de Teuf. Auguste Philippe. De Teuf qui a écrit Philippe. Donc je me rappelle même pas ce qu'il a écrit. Mais... L'histoire du confiseur là. Merci. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Tout en vous souhaitant une bonne fin de nuit, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 18 février 1999 autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Marianne James, Jean-Pierre Coff, Vincent Perrault et on parle du délit de substitution et des poils de Yann. Première question généraliste que nous devons à Mme Corroyer de Dieppe. Un légionnaire, c'est-à-dire un militaire qui appartient à la Légion étrangère, doit combattre partout où on l'envoie, mais il y a une exception à cette règle. Son pays d'origine. Son pays d'origine, il est dispensé de porter les armes contre lui. Bah, oui. Bonne réponse collégiale masculine. Elle l'a dit aussi. Elle l'a dit aussi. Oh, pardon. Qu'est-ce que le délit de substitution? Ah, c'est quand on prend la place de quelqu'un. Oui, mais dans quelles circonstances? Dans le lit. Dans le lit. Dans le lit. Ah, exactement. C'est profiter. Garde-moi ma place, je vais pisser. Ouais, le mec, il dit ça à sa femme. Il paraît que les jumelles, également, aiment bien s'amuser à tester le petit copain de la sœur pour... Il y avait cette histoire d'une femme dans le 13e qui avait rencontré un Chinois qu'elle avait trouvé très poli. Et puis, finalement, elle avait dû subir, mais elle s'en était pas rendue compte sur le moment, les assauts de 10 Chinois qui étaient sous le lit et qui se remplaçaient l'un après l'autre. Quelle santé. Oui, c'est ma rouleau de printemps. Très efficace en ce moment. Non, le délit de substitution, ça consiste à profiter du sommeil d'une femme ou de son demi-sommeil. C'est pas bien ça. Pour se faire passer pour son mari ou pour son amant et à en abuser. Ouais. Voilà, c'était une excellente réponse de Jean-Yann. Et c'est condamnable alors. C'est condamnable parce que c'est une escroquerie sexuelle, quoi. Allez le prouver. Il faut être gonflé, parce que d'abord, il faut connaître les habitudes de la dame, il faut être sûr que le mec n'est pas là, il faut avoir la clé, il faut être sûr qu'elle dort, il faut rentrer, il faut machin. Pas, ça se ressent, faut pas avoir si elle ne dort pas, il n'y a pas de délit. Il ne faut pas avoir les pieds gelés, parce que sans ça... Il ne faut pas qu'elle s'en rende compte. Si vous allumez la lumière, c'est fichu. C'est terrible, ça, le mec. Il arrive de l'extérieur, le mec, il a froid aux pieds et tout, il retire ses pompes, il rentre, elle dit « Ah, t'as froid aux pieds, mais non, chérie, mais c'est pas la voix du mari. » T'as une drôle de revoir, mais enfin, vraiment. Non, c'est le... Votre cousin, le législateur, là, il a... Vous pensez que si le législateur s'est penché sur le cas, c'est que ça existe, hein? Ouais, bah bon, d'accord. Sinon... Waouh, c'est génial. Non, arrêtez, là. Vous ferez ça à la maison, hein. Excusez-nous. Pardon. Non, elle voulait savoir si j'avais les mollets velus. J'ai dit oui, mais extrêmement doux. J'ai testé pour vous les mollets de Vincent Perrault. Alors, si vous aimez le velu, je ne saurais trop vous conseiller Jean-Yann, qui a été élu monsieur Angora à Saint-Tropez.
Il est velu sur les épaules. Appelez 3615 en garage. Mais tout de suite. Extraordinairement velu. On dit toujours que Dieu a créé l'homme à son image. Bon, l'homme descend du singe, donc Dieu est un singe. Si on vous regarde, oui. Donc moi, je descends directement de Dieu, donc je suis velu comme un singe. En revanche, quand on l'invite, Jean lui dit merci d'être velu, après. C'est pour ça que mon slogan, c'était ça. Je suis velu, j'ai vaincu. En pratiquant le machin de substitution. Autant qu'ils m'en souviennent, parce que je ne vous ai pas vu... À poil depuis longtemps, mais on peut retourner à la piscine, mon fifi, on peut y aller. Vous êtes allé à la piscine ensemble ? On est allé à l'école ensemble. Mais on n'était pas à poil, on était habillés, là. Mais vous aviez bien du sport, vous n'alliez pas au sport ensemble ? Non, on ne fait pas le genre de sport dans cette école-là. Qu'est-ce que vous faisiez ? Non, et vous aviez des grosses touffes de poils sur les épaules qui m'impressionnaient énormément. Mmh. Vous les avez toujours, je suppose ? Est-ce qu'on peut des grosses touffes de poils sur les épaules. Oui. Vous voulez dire qu'il avait deux filles sur les épaules? Mais j'étais pas en Marcel à l'école. Vous confondez pas avec mes épaulettes parce que j'avais des... Et il t'est jamais venu à l'idée de te faire épiler? Bah dis donc, si on m'épile, supplice. Moi je livre le réseau. Hein, c'est pas la peine de m'arracher les ongles et tout. Le mec il me met de la cire, je donne le colonel Fabien son téléphone, tout ça. Je balance, hein, moi. Il a raison, ça fait mal. Là, puis, moi, je me fais épiler. Plus de rue, ouais. Ah bon? Ah oui, où ça dos. Tout le dos, fesses comprises. Bon, on sort des poils, parce que... Alors, j'ai une question de Madame Le Pelé. Que faut-il pour qu'on puisse avoir le droit d'allumer du feu dans un monastère trappiste ? Vous savez qu'il y a à l'intérieur des monastères trappistes une grande rigueur dans la discipline, interdiction de parler, interdiction de sortir. Du feu pour chauffer ou du feu pour une quelconque un artisanat très local ? Non, du feu pour chauffer. Alors il faut moins 20 degrés. Il faut oui, qu'il fasse moins. Moins 20 et pas. Il y a le règlement intérieur, celui qui d'ailleurs prescrit aux trappistes qui se croisent dans le couloir du monastère de se dire seulement frère, il faut mourir. Mourir, ce qui met pas tellement de lien dans la conversation, ouais. Il prévoit qu'on a le droit d'allumer du feu lorsque... Quand l'eau bénite gèle. Voilà. Lorsque l'eau du bénitier gèle. Bonne réponse de Marianne Jean. Oh, I got the blues tonight, yeah. Parce que l'eau du bénitier a gelé, yeah, yeah. Et que j'ai trempé le doigt dedans et que je peux plus le enlever, yeah, yeah. Oh Jésus, je suis pris comme un glaçon sans le whisky, oh, oh yes, my God, help, help, help. Quand il fait froid, la gospel. Dites-moi, Philippe, puisque c'est une spécialiste, j'ai le droit de lui enrouler une, gospel ou Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.